Le public des Cariatides, c'est un public qui est chaud, qui chante avec toi, qui participe à que des bons souvenirs. C'était prêt. Merci. Alors, attends, comme ça. Est-ce que vous consommez, je sais pas moi, des choses comme Louis, comme Armstrong, je sais pas, vous dopez quelque chose pour vous préparer sur une scène comme ça? Alors, déjà beaucoup d'inspiration et d'expiration. L'oxygène. Je sais pas si je vais y arriver. Oui, parce que pour chanter, il faut que la colonne d'air soit bien saine. Effectivement, de temps à autre, effectivement, je fume un petit peu, je fume de l'herbe et je le revendique clairement parce que partout où je suis passé en France, il y a beaucoup de fumeurs, quel que soit le niveau social, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Et quelque part, peut-être que pour arrêter toutes ces ventes et toute cette délinquance, cette petite délinquance, il faudrait peut-être légaliser. Et donc, ce qui permettrait que ces gars-là, en fait, qui veulent travailler, travaillent là-dedans. De toute façon, on en parle, hein. Peut-être que ce sera un sujet d'actualité de légaliser. Give me someone.
quand même. Donc Nathan Ja et les Lions, mais il y a surtout des lions, enfin il y a aussi des lions. Il y a aussi des lions. Ouais. C'est nous, les lionnettes. Ici chaque lundi. Oui. Afro-béenne. On voilà, est afro-béenne. Les lionnettes touristes. Voilà. On est factorisé. Factorisé, ça c'est pas mal. Ah. Je crois que ça va rentrer dans le coup. Bah, la factory, la meilleure secte du monde. Tout le monde sait. Tout le monde sait. About a woman called Susie, so my girl, she wanna lick me. We messages, send me pics, she say, baby, please come to visit me. She wanna see the lion in me. I've been to girl, she's not to the point, big saying, she wanna be real out there. Ouais. L'équipe de musiciens. Bonsoir. Bonsoir. C'était un concert de feu, un public de feu. Et big up à la factory. Okay, éternellement insatisfait les artistes, éternellement insatisfaits. Non, on a tellement bossé. Un bassiste endiablé. C'est tellement stressé. Endiablé, carrément. Ah ouais, non, il est possédé. Je suis satisfait, je suis souriant. Ouais. On a vraiment donné un bon show, on s'est tous écoutés, on faisait une entité. Mm-hmm. Et c'est ça qui me plaît dans la musique, c'est le fait qu'on soit si nombreux, mais qu'on puisse faire à un moment précis, le moment présent. Et c'est jouissif. C'est jouissif. Je vous aime. Merci à vous. Vraiment, je vous souhaite.
je souhaite aux Lions que du bonheur, plus de scènes. D'ailleurs, nous cherchons des scènes, nous cherchons à nous produire de plus en plus, car nous avons envie de donner toute l'énergie que nous avons dans le cœur, car nous aimons ce que nous faisons, nous aimons la musique. Donc il y aura du jazz, il y aura du reggae, il y aura du dancehall, il y aura du hip-hop, il y aura de la funk, de l'accordéon, il y aura de l'accordéon, il y aura du violon, il y aura tout ça. Mais il y aura surtout de l'énergie et beaucoup d'amour. Alors venez à chacune de nos dates, s'il vous plaît. Car sans vous, nous ne sommes rien. Même ma date, les Lions sont nés. De la famille Anatanja? D'accord. Je peux vous interviewer? Une famille d'artistes. Ouais. Une famille d'artistes. C'est vrai? Bah vas-y, présente-moi. La mère de Anatanja est une créatrice. Elle fait des tableaux, la peinture magnifique. Elle fait aussi des créations vestimentaires, donc mélangeant le traditionnel et le moderne. Une très belle création. Et généralement, quand il y a des beaux défilés, et ben c'est la fille attention. Qui présente le show. Attention. C'est la fille qui présente le show pour éviter de se faire écraser. Donc, se fait écraser. Donc c'est pour dire que c'est mortel. Et la famille est là pour le concert. Okay. Ah oui, nous soutenons Anatanja. C'est normal. La belle sœur de Anatanja. Nous sommes venus tous ensemble pour soutenir Anatanja. Exact. Okay. Sa mère, sa sœur, son beau-père, ses amis, la famille. Ah ouais, tout le monde est venu, c'est bien. Tout le monde est venu. C'est bien. Le soutien familial, c'est important. C'est important, la famille. Les artistes, ils ont besoin d'être soutenus. Absolument, c'est un point qui est difficile. C'est pas facile, la musique. Soutenir l'artiste quand on le peut. Ouais. Le soutien de la famille, c'est très, très, très important. Et Anatanja est un artiste qui est entouré, soutenu. Récemment, là, tu as reçu ton collier de la Zulu Nation. Zulu Nation. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un honneur pour moi parce que déjà, premièrement, c'est la suite d'une aventure, sachant que mon frère y était, et que je reprends le relais, ça me fait super plaisir. Ah d'accord, donc piston quoi. Non. C'est Peace, Love and Unity. C'est, yes. Après, il y a quand même un code, un code à respecter pour avoir ce médaillon. Mais c'est plein de choses en fait, tu vois, la sagesse elle vient avec. Et j'ai plein de choses à apprendre encore avec eux. Je suis bien content d'y aller. En plus, il y a Sisdi qui me suit là-dessus. Ouais. Et voilà quoi, c'est une nouvelle aventure pour moi. Ok. Vous avez été très loin, très très loin. Shake your body, man. Shake your body, man. Shake your body, man. Oh, your body, man.
ta crête, elle va mieux là ? Bah, non mais c'est pas gentil. Regarde, en fait, ce que je disais, j'ai égalisé ouais. En fin de plus grosse, et regarde derrière. Bah ouais, mais il y a plus de densité derrière que devant, on dirait. Hein. Non. C'est, pas du tout, c'est pas peut-être du le tout. Début de la fin là. Pas du tout, regarde. C'est le début de la calvitie. Ça va déchirer. C'est comme des histoires de molécules, parce que cet air qu'on respire, là, il circule au sein de nos globules, histoire de nous oxygéner, puis on le recrache dans l'air sans gêner. Puis c'est ton voisin qui respire ce même air pour qu'il circule à nouveau dans ses globules, qui nourrissent son corps d'oxygène avant qu'il le recrache sans gêne. Nous respirons tous le même air. Le même air sur notre belle planète. If you said so, oh. I had a bad work of a things and do that right. You the road, Jack. So don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a road, Jack. So don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Wow, yeah. Okay. Yes. Je voudrais bien, mais par quel chemin dois-je... Ça, si ça se retrouve pas sur We Love Jam Session, ouais. Là, je te jure que je te retrouve. Mais ce sera sur We Love Jam TV, ça. C'était qui déjà à la Factory Afropéenne? Factory Afropéenne avec Kiren. Ouais, c'est quoi le nom? Steffi Jam avec Kiren. Il n'y a ouais. Pas que les pros qui savent chanter, ok? Les patients aussi. C'est ouais. Malade. Il y a le Factolab aussi. Les prochaines choristes. Voilà, faut pas la featuring. Jam. Petit gros bon. Voilà. Les groupes des bébés. Les groupes des bébés. Choristes. La famille, ok? Ça fait, ça va. Oui, là. C'est vous, les parfaites cachées dans cette guerre, c'est tous les premiers. Mais peu à peu, c'est ce qui t'a tous ces nuits. Destiné à régner, ça prend que j'en ai le fond, ça tourne tout bon. Je vais en voir en les envies, même avec un million, je sais jamais toujours un tir en garde en pause. Comment tu t'appelles? Moi je t'appelle, vas-y. Noah. Noah? Oui. Ok. Et donc tu danses? Oui, je fais de la danse. C'est vrai? C'était pas trop fatigant de danser tout ce temps-là? Parce qu'ils ont joué longtemps. Hein. Non, j'aime bien danser. T'aimes bien danser? Ouais, ça s'est vu. C'était pas trop dur à suivre le rythme? Non. Non? Je danse sur toutes les musiques, sauf les musiques douces. Messieurs, dames?
C'est elle qui t'a motivé à chanter? Non, j'allais même pas chanter. Elle m'a dit tu vas chanter et je danse. D'accord. Elle est partie demander à Doria si je pouvais chanter. Ouais. Puis danser. Voilà. Ok, ok. La Spidey Girls. Ok. Maintenant, ça va être ma danseuse là. Ah ouais? Ouais, elle va être sur tes prochains concerts. Concert. Elle sera là. D'accord? Ok? Point sur tes beaux yeux. Ah ouais, et donc tu es avec Thomas. Et ben voilà, le voilà. C'est vrai? Il travaille plus au Cariatide. Ouais. C'est fini. Ah ben. Donc maintenant qu'il travaille plus au Cariatide, il a le temps pour pas. Pour parler avec. Pour être avec toi tranquille. Ouais. Ouais. C'est ce qui arrive. Parce que quand on est collègue de travail, plus ou moins, je ne pouvais pas faire grand chose. Ouais. Maintenant qu'on sommes plus collègues. C'est bien, tu mélanges pas. Collègue. Non, tout est possible. Ou pas. Ah, Billy. Ah, Billy, tiens. Maintenant tout est possible. Pas vous deux qui vous qui alliez. Non, arrêtez. Mais non, mais Billy. I know that y'all will always be by my side. He might be one that came with me for the night. And every day he make me open my eyes. I will never give up the fight, no. I will never give up my pride, no. And if tomorrow me I should die again, another 2 days is good because I am a like your father. That's ya. But tell me I disrespect you, but me I love you all you. Moi c'est Ben. Yes. Ben Toury. Ok. Je suis au clavier, chant, harmonica. Ok. Et tu joues depuis très longtemps? Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens en Cariatide, non? Oui, c'est par hasard en fait que je suis passé. D'accord, par hasard. Par un ami qui était là, qui m'a invité. Ouais. Et voilà, donc c'était assez sympa, c'était marrant. Ouais. J'ai commencé en scène à 11 ans et j'ai 20 ans de carrière à peu près. Quand même. C'est assez long. Ouais. C'est pour ça que t'es si à l'aise pour... T'étais pas perturbé en fait par le fait d'improviser ou quoi? Non, improviser c'est ce que je sais faire que ça en fait. D'accord. Je sais pas lire la musique. D'accord. Mais j'ai improvisé par contre. Ok. Désolé. Le clavier, ça tombait à pic alors. Ouais, nickel.